Avec la mer en dessous, ça rajoute des petits piments supplémentaires. C'est déstabilisant en fait, la mer qui se fracasse au pied de la falaise, le goéland qui vient t'attaquer parce que t'es trop près du nid. Enfin, c'est la Bretagne. Yannick Tissier a choisi un autre sport que la voile ou le surf pour se frotter à la houle et la vague. Il est moniteur d'escalade. Il pratique la grimpe dans le Finistère, sur la pointe de Penhir, là où les falaises de grès armoricain se prêtent au jeu de cet homme avide de sensations fortes. Yannick Tissier connaît chaque rocher, chaque fissure du site qu'il a découvert adolescent. Il accompagne ici régulièrement des grimpeurs amateurs. Penhir, c'est un mythe pour moi. Le problème, c'est que c'est quand même particulier, c'est engagé, il faut y aller avec quelqu'un qui connaisse. Les conditions sont un peu limites en fait. On voit qu'il y a un peu d'humidité qui arrive et le vent par contre lui va sécher. Donc on a un léger équilibre au niveau humidité là, donc il faut pas qu'il y ait plus d'humidité en fait, tout simplement. Journée, on sera un petit peu rincé, mais on a l'impression d'une aventure en fait. Peut-être même un esprit comme si on était en haute montagne ou en mer, en pleine mer aussi, on va avoir les mêmes conditions. Ouais, on est tout seul au milieu de la nature, c'est particulier. Quoi. Loin de la civilisation, loin de la sécurité. Et tout ça. Avec ses 200 voies équipées, la pointe de Penhir est le plus grand site d'escalade de Bretagne. Accompagné par d'autres grimpeurs confirmés, Yannick entretient bénévolement les lieux depuis 20 ans. Ça fait deux étages en plus. Il change les points d'ancrage, ouvre des voies, travaille étroitement avec les associations environnementales pour la protection du site. Yannick, vous savez que c'est un topo vivant, quoi. Yannick connaît par cœur tous les itinéraires, il connaît les variantes. Il pouvait rapporter des infos qu'on n'a pas forcément trouvées dans le topo. Suspendu à 80 mètres de hauteur, entre terre et mer, Yannick Tissier est ici dans son élément. Il ne quitterait pour rien au monde ce territoire qu'il affectionne tant.